bizarre. Très bizarre. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une journée où on vous amène découvrir le Noël Gaulois au parc Astérix. C'est parti. Bon, après Noël, mais c'est pas grave. On commence la journée par bouffer. En fait, on arrive, il est midi dans le parc. Et en fait, depuis cet été, on a vu des frites qui ont l'air trop bonnes. Donc on va goûter ça, je vais vous montrer. Et à partir de l'année prochaine, on va avoir la première comédie musicale gauloise à partir de printemps 2024. Yes, qu'on a hâte de voir ça. Donc ça sera ici. Et ça, c'est les bonnes frites avec du cheddar, des oignons dessus. Miam, 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 miam. Ça va être bon, ça. Et là, on va se poser dessous les rues de Paris pour voir Chantons Noël. C'est parti. C'est là-dedans où vous avez la patinoire et vous pouvez faire la luge aussi. On ira voir tout à l'heure. Là, on vient de voir Chantons Noël. C'était incroyable. On a mangé en fait dessous les rues de Paris. On s'était posé là pour manger. Et c'était incroyable. Une ambiance de fou. Vraiment. Incroyable. Oh, de ouf. En plus, le Père Noël, il rêve de potions. Elle connaissait pas la musique de Pas clairement. Enfin, en plus, c'est un peu de monde, honnêtement. Oui, là, ça va. On est bien là, oui. Elle descendait, elle a fait chanter tout le monde. Comme vous l'avez vu de toute façon. Ouais. En image et puis non puis manger la barquette de frites on avait parlé la dernière fois là il y avait personne au stand mais oh là là comme elle blend cheddar comme elle blend c'était incroyable pour un premier repas de 2024 on commence bien l'année et là donc, on se ramène voir tout en piste ça change de l'ambiance d'Halloween là c'est chaleureux tout la dernière fois là on hurlait et là il y a des sapins c'est trop mignon. Jav et Marine ont fait une petite descente en luche, c'était bien. C'est bien. C'est bien en vrai. En fait, c'est pas assez long. Ce qui est dommage, c'est que la zone de frein arrive trop vite. La zone de frein arrive trop vite. Puis moi, je suis parti en plus en luche. Oui, tout direct. Moi, j'ai pas voulu y aller vu qu'hier déjà, je me suis fait mal. Oula. Je me suis fait mal hier. Je me suis dit, oh, je vais éviter de me refaire mal par dessus. J'ai voulu pas hésiter. Thank you.
là vous pouvez retrouver les chalets de Noël avec des paninis, des crêpes, des gaufres. Enfin, y a plein de choses, des muffins, des desserts, plein de trucs bien gras, bien cool. Là ici on a le feu au milieu. Ça c'est beau. Et là-bas vous avez d'autres chalets. Mais quand je me dis que là, voilà, la dernière fois que j'étais ici, c'était la maison de la peur. C'est incroyable le changement. C'est très 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 beau ce qu'ils ont fait. Alors oui, par contre, d'arriver ici avec le début des travaux, wow, ça fait tellement bizarre, ça fait tellement une zone rétrécie. Ah ouais. Oh, c'est fou, c'est fou. Ah ouais, c'est tout rétréci. Oh, c'est incroyable. Bon, ici, il y a d'autres petits chalets, mais il y a du merch. Je vais aller voir le merch de Noël, moi. On va aller voir ça. Du petit merch de Noël. Je me souviens pas du tout. Regarde, il y a Astérix et Obélix avec leurs petits nœuds. Et là, il y a des fixes. C'est trop mignon. Oui, donc en fait, vu que c'était tout fermé, on est obligé de passer par la zone égyptienne, en fait. Bonjour Osiris. Salut. Merveilleuse attraction si vous l'avez jamais fait. Faites Osiris. Elle est incroyable, vraiment. Il faut faire Osiris. Elle est merveilleuse. Et là, ils ont commencé la construction. Donc là, je crois que ça va être un kebab, si j'ai bien compris. Et puis là, il va y avoir la nouvelle attraction 2024, la tour de numéro bis, qui sera comme ça. Donc c'est des énormes chaises volantes, en fait. Ouais, elle sera dans l'angle, oui. La future attraction va être là-bas. Là, logiquement. On arrive dans la zone de Toutatis, parce que Monsieur Jab va aller se catapulter directement dans Toutatis. Bon, là, il est en arrêt pour l'instant. Ça arrive que Toutatis soit en arrêt. Mais Jav va absolument commencer l'année 2024 avec Toutatis. Donc c'est parti. Même les boutiques sont décorées pour Noël. Regardez-moi ça. Même les boutiques. Il y a même des petits détails là-dedans. Toutes les boutiques. Bah, c'est juste fou. Regardez-moi la décoration. Ils pensent au moindre petit détail. Enfin, la décoration du parc Astérix, vous envoyez du lourd. Hein. Aussi bien Halloween qu'à Noël. Mais là, je suis choquée en fait. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Le parc est magnifique. Tu l'as vu au premier rang ? S'il y a. Oui. Coucou ! Coucou ! Tu regardes le bien, il va faire coucou là, obligé. Tu vois, il va y avoir qu'un mec qui va faire coucou. Regarde bien. Le premier con. Voilà. Premier rang, coucou ! Coucou ! Coucou ! Il s'éclate ! Il est déprimé, il est que ça. Demain, il a fait Wakanda, quoi. Ah, mais c'est un malade, hein. Y a rien qui l'arrête. Hein. T'es un malade, mec. T'en es conscient, t'es un gros malade. Alors, après ton. Je sais même pas combien de tours de Toutatis. T'es un de combien, la 10e? Pas aujourd'hui, mais en tout. Hein. Ouais. Là, je voulais commencer l'année en par Toutatis parce que je me suis dit clairement, je ne veux pas faire une autre attraction Toutatis pour commencer l'année. Mais quel plaisir. Simple. D'ailleurs, Baptiste, là, voilà. Ah, vous aurez les vidéos, voilà. Il est content, lui, c'était il, voilà, il est content. Non, il était là. Non, 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 non. Et lui, il était là. Oui. Il faisait coucou, il faisait voilà, comme d'un forever. Tout va bien. Enfin, le mec qui se fait chier, quoi. Tout va bien. Bon, sinon, on continue notre périple de Noël. Bon, maintenant, en direction le village Golan, on va aller voir les personnages. Parce qu'ils étaient annoncés à partir de 13h. Donc on va aller voir si on les voit. Oui. La rencontre. Oh, il est si... Ah. Il est seul sûrement, mais il a le champ. Sous la douche. Vas-y, si tu veux y aller. Tiens. Dis coucou. Bonjour. Merci. Tu peux lui faire un câlin ? Vous êtes mignon. Très mignon. Mais trop bien, ils ont même pensé à faire la décoration là. Enfin, c'est juste fou. Incroyable. Et là, on a un arbre avec les potions. Ok.
Vas-y, si tu veux y aller après. Vas-y, tu veux. Et là, on a un sapin avec les nanos. Les nanos des fixes. Oui, et là, c'est le sapin d'Obélix. Avec toute la peau face. Il est beau, hein? Il est très très beau. Très très beau. C'est beau. Tiens, tu le prends? Si on fait dis donc. Oh. En mode. Regarde. Dis bonjour. Merci. On a fini Villa Gaulois et donc là maintenant on enchaîne, on va voir le spectacle de Kivu la Coco du Père Noël qui remplace le spectacle de la Joconde qui en était. Qui veut la peau du Père Noël? Bah oui, mais j'ai les trois en tête à chaque fois. Bon, qu'avez-vous pensé? C'était une tuerie. Honnêtement, les spectacles Astérix, c'est vraiment une dinguerie. On s'ennuie pas, c'est vraiment. Ce spot-là a toujours des spectacles, quelle que soit la saison, incroyable. Je suis d'accord. Bon, à part Halloween ou spoiler ou foot arrosé, mais sinon. C'est vrai. Non. C'est quoi déjà? Mama sur la Joconde est incroyable, la Mix du Sérieux c'est incroyable, la peau de Roger Rabbit est incroyable. Non, la peau du Père Noël! Et vraiment fou, le spectacle sur glace c'est trop beau, tout est magnifique. C'est marrant, c'est drôle, il y a des effets pyrotechniques, il y a des artistes qui sont incroyables. Ouais, tellement. Là on enchaîne avec quelques attractions avant d'aller voir les jardins du Père Noël. Avant d'aller voir les jardins du Père Noël, parce que ça il faut le voir de nuit, et la parade, évidemment la parade des Kayas à 18h30. Aperçoit un peu le chantier de la future attraction, la tour numéro 10, juste derrière Osiris, elle est là. On sort de Osiris et c'est toujours merveilleux. C'est toujours un ouais. On se décale la bulle dans tous les sens. C'est génial cette attraction. Vraiment. On a pris un putain de bol d'air frais, vu qu'on est au premier rang, mon petit. Il y a tout qui est parti. Hein. Osiris, c'est premier rang ou pas Osiris en fait. Ouais, vraiment, ça sert à rien d'aller au premier rang. Ouais, à
Après, c'est mon avis, mais je trouve qu'on en prend vraiment plus dans la tronche quand on est au premier rang en termes de vue, de... Enfin, je trouve le costa bien plus intéressant quand on est sur le premier rang qu'ailleurs. Bon, certes, il y a un petit peu plus d'attente, mais là, on attend du quoi de plus, genre 10 minutes. C'était trop bien. On vient de faire les jardins. Alors on les a fait de jour. Parce que j'avais peur que de nuit en fait ça soit prédation. Clairement. Parce que les gens attendent que la nuit tombe pour venir. Parce que oui, c'est mille fois plus beau. Mais je me suis dit qu'à la nuit tombée, il allait y avoir beaucoup beaucoup trop de monde. Et que en fait je pourrais pas filmer comme là j'ai pu vous filmer. Donc ça allait être trop compliqué. Donc je vous le montre de jour. Mais si vous avez l'occasion, faites-le de nuit. Bon bah il faut que je redonne une chance à Tonnerre du Zeus. J'ai pas du tout envie d'y aller. Mais il faut que je redonne une chance. Salut ça. On sort du Tonnerre de Zeus. Mais c'était ma deuxième round. Et là j'ai même pas eu peur. Donc ouais, en fait ça y est, je commence à vaincre le parc Astérix, ça y est. Enfin il manque tout à 10 à vaincre. Je l'ai fait une fois mais je suis en PLS. Moi ouais, c'était la première fois et franchement. Non, il tape, il est bruyant. Ouais, il est pas agréable. Il est bruyant. Et franchement, après. C'est pas agréable, il est pas agréable. C'est pas ouf quoi. Voilà. Mais moi c'est fait. C'est trop long, vraiment c'est. Enfin il est violent, il tape dans tous les sens. Vraiment, j'étais genre, c'est quand la fin, quoi. Vraiment, c'est quand la fin. Enfin, c'est. Coucou, c'est Noël. Putain, le soir, le parc, il prend une autre dimension, mais c'est trop trop beau. Regardez-moi ça, c'est tout éclairé, tous les sapins éclairés. Oh, comme c'est beau. Regardez-moi la beauté du sapin. Alors, deux jours déjà qu'il est beau, mais alors, deux nuits. Il est magnifique, comme c'est beau. Mais ça va prendre une autre dimension le truc là-bas. Ouais, c'est incroyable. Oh, ça va être incroyable, je pense, là-bas. Le soir, petite visite des boutiques avant de partir. Et regardez-moi comme c'est magnifiquement bien décoré. Donc là, c'est l'entrée du parc, si vous venez en dehors des hôtels, en fait. Ou la sortie du parc aussi. Mais c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Le parc Astérix, vous en voyez tellement du lourd. À chaque saison, en fait, vous me surprenez. C'est quand même dingue. Et regardez, ils ont même écrit Noël Gaulois. Oh non, mais ça me tue. Mais c'est trop beau. Oh, ça me tue. Mais regardez-moi la beauté. C'est trop, trop beau. Et voilà de nuit ce que ça donne rien que l'entrée, mais comme je vous disais, regardez la queue. En fait, elle va jusqu'à là-bas. Et en fait, vous avancez qu'en piétinant. Donc oui, le soir, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est splendide, c'est tout ce que vous voulez. C'est une autre dimension. Mais enfin, vous avancez pas à pas, vous pouvez pas filmer comme vous voulez. Mais c'est incroyable. Je vais peut-être essayer de vous trouver s'il y a une vidéo officielle au pire de nuit. Je vais essayer.
Regardez, il y a toujours la queue en fait. La queue, elle est énorme. Le sang, dès qu'il fait nuit en fait, c'est énorme. Ok, donc là on vient de finir notre journée au au parc Astérix. Là on vient de rentrer, on est dans la suite du quai de Lutèce, vidéo qui arrivera beaucoup plus tard sur la chaîne, qui arrivera d'ici avril normalement. Abonnez-vous. Mais abonnez-vous si vous voulez voir la suite au quai de Lutèce. Qu'as-tu pensé donc de la découverte de Noël Gaulois au parc Astérix? On n'avait jamais vu aucune année. C'est vraiment la première année où on vient pour Noël au parc Astérix. C'est la première où on fait tout au parc Astérix. Oui, parce qu'on a vu l'été gaulois, on a vu Halloween et Peur sur le parc, et on a vu le Noël Gaulois. Bah, c'est la première fois qu'on voit un parc décoré pour Noël, en fait. Concrètement, on n'en a fait que c'est deux cette année. Enfin, trois avec le Pal, mais le Pal, bon, ils sont pas ouverts en saison hivernale. Mais Astérix, il met une claque à Mickey. Hein. Clairement, à Disney, vous avez Main Street de décorer. À Astérix, vous avez l'intégralité du parc de décorer. C'est beau de jour et c'est encore plus beau de nuit. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Les sapins sont allumés, la zone, je sais pas trop quoi, du Père Noël, machin, la zone où il... Enfin, bref. Incroyable. Bon, inaccessible, mais incroyable. Enfin, rien à dire, quoi. Enfin, encore une fois, une victoire totale du parc Astérix, quoi. Une nouvelle fois, enfin... Vaincu. C'est difficile de faire pire. Mieux. Non, pire que Disney. Disney. Avec Disney, période d'hiver, période de Noël, c'est pas... Tu sors de Main Street, y a plus rien, quoi. T'étais à Disney. Oui, mais pas en période de Noël. Oui. Oui, il y a que Main Street et... Ouais, le Disney Village, mais est-ce que tu peux considérer le Disney Village vraiment comme... Les hôtels sont décorés, mais Astérix le fait mieux. Le Disney Village est décoré, mais honnêtement, il vaut mieux être ici que... Il vaut vraiment mieux choisir le parc Astérix que prendre Disney, honnêtement. Donc le parc Astérix, ça a gagné pour vous? Oui, largement. Mais même en termes de tout, d'organisation, de décoration, d'attraction, de tout, quoi. Voilà, c'était la fin finale. Bon, écoutez, moi, oui, ça a été une énorme découverte, et oui, c'était merveilleux. Le parc est magnifique. Comme je vous ai dit dans la vidéo, le parc est vraiment, vraiment magnifique. Les décors sont incroyables. Et oui, il y a des décors de partout, en fait, dans le parc. C'est fou, franchement. Puis là, de nuit, comme je vous dis, c'est juste dommage qu'on n'a pas pu accéder au jardin. Mais je le savais que le soir, ça allait être pas possible. Je le savais. Je l'avais vu sur les réseaux que le soir, c'était impossible. Donc, on y avait été la journée. La journée, c'était déjà très beau. Mais oui, le soir, ça devait être encore mieux. Mais... Oui, le parc Astérix, c'est... À chaque fois que je viens, de toute façon, je me prends une claque dans la tête. Donc, à chaque fois, je suis là, non, ils peuvent pas faire mieux. Et en fait, je suis désolée, mais ils envoient du très, très lourd. Mais Disney reste Disney dans mon cœur, donc Disney pour toujours. Voilà. Non, tu peux pas. Disney, c'est bien, c'est féerique, c'est... Oui, mais c'est Disney. C'est la magie dès que tu rentres dans le parc. On est d'accord, c'est Disney, mais à un moment donné... C'est vraiment dès que tu rentres dans le parc. Il y a rien d'autre, quoi. Il y a rien d'autre. Oui, il pourrait envoyer du beaucoup plus lourd. Ah, c'est oui. Ça, quand oui, tu... il pourrait. Il faut attendre, je sais pas combien de temps, pour avoir une photo avec un personnage. Là, t'as vu combien de temps on a attendu, s'il te plaît. On a fait toute la tournée des personnages en un quart d'heure. J'avoue. S'il te plaît. Non, mais là, ils se promènent librement. Oui, voilà. C'est vrai, là, ils se promènent librement. Et puis, ils ont pas leur garde du corps. Oui. Non, bah, le parc Astérix, voilà, c'était grandiose. On a passé une super journée. Il y a pas d'espagnol au parc Astérix.
On a passé une super journée et c'était vraiment incroyable. Dites-nous, vous, dans les commentaires, est-ce que vous avez eu la chance de faire le Noël gaulois cette année ou l'année prochaine. De toute façon, nous, avec Jav, on a dit qu'on prenait les PA pour l'année 2024. Donc, on y remontera pour vous montrer déjà la nouveauté. Je vous rappelle qu'ils font la nouvelle attraction, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ils sont en train de rethématiser le Grand Splash avec les pirates. Il va y avoir le truc musical, la comédie musicale. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées. Donc tout ça, on remontera. Et puis, on veut faire le banquet gaulois, puisqu'on l'a fait. Oui, on est extérieur. Voilà, parce qu'on n'a eu pas de chance, il faisait pas beau, donc on habitait en intérieur. Et donc, on veut le faire en extérieur. Donc, on a dit qu'on... Voilà. Et puis, là, on est dans la suite, mais vous verrez quand vous verrez la vidéo de la suite, il faudra qu'on remonte pour l'été. Enfin, voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt.